Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du Pôle Roller Hockey. Vous allez accompagner les jeunes au quotidien dans leur vie au lycée. On va vous présenter également un nouvel établissement et vous allez avoir une partie qui est totalement dédiée au roller hockey. Dans ce nouvel épisode, on va vous présenter le lycée de la Providence à Amiens. Vous allez pouvoir y découvrir à l'intérieur de ça les infrastructures, mais également le quotidien des joueurs du pôle roller hockey. L'avantage qu'un élève a à venir à la Providence, c'est au niveau du suivi. Il y a un suivi très, très régulier. On propose naturellement des emplois du temps adaptés à ces élèves donc, qui pratiquent une activité sportive. Pour certains, c'est intense dans la semaine. Et toute la bienveillance qu'il y a autour, évidemment. On a un énorme terrain de foot, on a une piste d'athlétisme, on a une piscine, ce qui n'est pas très commun. On a une magnifique salle de spectacle pouvant accueillir quelques centaines de personnes. Voilà, ce sont des atouts considérables qui font partie de l'identité de notre établissement et qu'on est les seuls à avoir. On a plusieurs espaces pour les élèves pour pouvoir se détendre, un foyer avec des baby-foot, ça c'est plutôt sympathique pour les récréations. En enseignement, je fais spécialité AGGSP, SES et maths. Il y a de bons professeurs, on est plutôt bien accompagnés. Sur les révisions aussi, on a la permanence qui peut nous aider sur nos temps de pause pour apprendre, pour travailler. Ce qui est agréable dans ce lycée, ils nous laissent sortir pour pouvoir arriver à l'heure aux entraînements. Le soir aussi, nos repas, ils sont gardés dans un frigo, on peut manger chaud, on peut les réchauffer et on n'a aucun problème sur nos arrivées, même si on peut arriver de temps en temps un peu plus tard. Pour l'instant, pour le pôle roller hockey, tout se passe très bien. La cadence des entraînements est agréable. J'y ai bien progressé, donc ça, je trouve ça vraiment top. Les entraînements, ils sont variés, ils sont complets et il y a une super ambiance au sein du pôle. Vous allez maintenant être en pleine immersion dans l'entraînement roller hockey avec les joueurs. Leur objectif quotidiennement est de pouvoir progresser techniquement et tactiquement afin de rentrer meilleur dans leur club chaque week-end. Mais surtout, l'objectif est d'individualiser le travail des athlètes pour qu'ils soient meilleurs sur la partie technique afin de servir au collectif. Il est humain, il parle avec nous, il sociabilise beaucoup avec les enfants. Ses exercices, ils sont bons aussi. Il y a de la qualité dans l'exercice. Il faut foncer parce que c'est une chance. Il n'y a pas ça partout en France. Puis Jérémy, c'est un mec bien. On se sent chez soi. Rejoices as a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake the dairy, yeah. These three words mean you're getting busy. Whoop, that is Hitman. Show you the way. Boom. There it is. Let me hear you say, boom. There it is.
Jérém qui est derrière nous tout le temps, que ce soit pour les cours ou sur le terrain. Je pense que c'est un vrai plus, non seulement dans les études, mais aussi dans le hockey. Je suis plus appliqué dans les exercices et en termes techniques, que ce soit au patinage ou avec les mains, le shoot ou quoi que ce soit, c'est vraiment un plus. On a des conseils tout le temps. Puis voilà, je pense que c'est surtout ce qui m'a apporté de la précision en fait. C'est le temps qui fait les choses, qui fait que soit on mène des actions qui sont plus ou moins éphémères, soit des actions qui sont pérennes dans le temps. L'activité Roller Hockey Concept à travers le pôle Roller Hockey se développe, mais je dirais toujours aussi présente. Voilà, depuis le début, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est constant, et Jérémy amène des aménagements et tend à développer l'activité. C'est gage de sérénité pour des parents. Je pense qu'à un moment donné, il faut regarder ce qui a été fait, les résultats qui sont obtenus, et sachant que voilà, ça fonctionne depuis on va dire plusieurs années, c'est tout simplement une garantie pour des parents. Il faut juste oser passer le pas, venir voir, pousser la porte, et ensuite faire sa conclusion. Je vous conseille de venir dans ce lycée et d'intégrer le pôle roller hockey au plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu pour le deuxième épisode au sein du pôle roller hockey. Nous avons hâte que vous puissiez intégrer la team RHC pour la saison 2024-2025. Surtout, ne tardez plus à nous rejoindre. Il y a énormément de demandes pour la saison prochaine. On espère vous compter parmi nous. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux, Facebook, Instagram ou sur le site internet www.rollerhockeyconcept.fr. Je vous dis à très vite la team. Ciao, ciao. As I flow to the flight from the school of old hardcore, keep the folklore wreck. 3 to the 2 and 1 mic check, man.